ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sachez bien, barakallahu fikum, les mots en arabe, ce ne sont pas des mots figés qui ont un sens précis bloqué qui ne change pas. Selon le contexte de la phrase, selon comment il est utilisé, il peut prendre un sens dérivé. Ils ont une base commune, mais il prend un sens dérivé par là, un sens dérivé par là. Donc, ceux qui sont bloqués, ils croient que l'arabe, c'est des mathématiques. Il prend un mot, il le retraduit pareil. S'il fait de la traduction mot à mot comme ça, il va tomber sur des contresens terribles. Donc, avvan, ça veut dire le doute. Mais avvan, ça peut vouloir dire aussi la certitude. Et dans le Coran, avvan, il a été utilisé à plusieurs reprises pour dire la certitude, comme ici. Ala yavunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qu'ils ne pensent pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils vont être ressuscités ? Non.